Mon premier point, c'est un PSG de gala. Une très très grosse performance collective du Paris Saint-Germain. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en regardant cette équipe du PSG. Mon deuxième point, c'est bien évidemment Barcola, qui a fait une première mi-temps, une première heure de jeu de très grande qualité. Il montre encore une fois qu'il est en train de s'imposer en leader dans cette équipe du PSG. Et mon troisième point, c'est la sale soirée Montpellier-Rennes entre l'interview de Laurent Nicolin et le 7 pris, la bulle prise ce soir. Je ne sais pas si ça fera date dans la saison de Montpellier, mais on peut se poser la question en tout cas. Daniel, tes 3 points. Le premier, ouais, effectivement, bah, c'est évidemment la démonstration parisienne, parce que oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai passé une très très bonne soirée. Après un resto rapide, une bonne soirée de foot, c'est bien. Le deuxième point, c'est les gestes. J'ai envie de m'arrêter sur certains gestes, parce qu'il y a eu dans la démonstration parisienne, quasiment sur chaque but, des gestes, parce que quand on aime le foot, c'est aussi parfois pour des gestes, une passe, un petit truc. Et j'ai adoré du pointu de Barcola à la passe aveugle d'Asensio au geste de Zaïre Emery. Je trouve qu'à travers la démonstration collective, il y a eu des étincelles individuelles qui m'ont beaucoup plu. Et le troisième point, bah, c'est le feuilleton LFP. Alors, il va falloir faire un point ce soir. Toute la semaine, on l'a suivi. Toute la semaine, j'ai beaucoup suivi ça. Même, j'ai été un peu actif sur Twitter pour en parler. Ça n'est pas le boulevard annoncé pour la Brune. Beaucoup de gens sont en train de prendre conscience que ça n'est pas possible de confisquer la démocratie. Je veux croire, ce sera mon point 3, que non pas ils perdent, parce que ça, moi, je ne suis pas juge de ça. Ce que je veux, c'est un débat démocratique. Ce que je veux, c'est que des candidats soient investis. J'espère qu'on en prend le chemin. Aux dernières infos que j'ai, c'est possible. Rendez-vous un peu plus tard, d'ici une bonne demi-heure dans l'after pour ce dossier. Dans les fameux gestes, il a oublié la passe de João Neves sur le deuxième but. Ouais, mais c'est parce que je ne les ai pas tous cités, parce qu'on va en parler dans un instant. C'est les 3 points, c'est pas tout développé tout de suite. Si on fait le sommaire, on développe tout, après on va se coucher trop tôt. Ah, c'est vrai que le troisième point était long, donc il a fallu raccourcir. C'est normal. Mais d'ailleurs, là, c'est vrai que tu parles des gestes, etc. Mais ce qui ressort après ce 6-0, c'est justement en fait, l'expression collective de ce Paris Saint-Germain-là. C'était aussi un peu l'objectif de l'après-Bappé, les doutes qu'on pouvait avoir. Ouais. C'est que Montpellier, etc. Mais ce soir, effectivement, d'un point de vue collectif, c'est... La démonstration collective ce soir, elle est fantastique et je pense qu'on se tous régaler. Après, évidemment, tout le monde mettra les bémols, ça n'était que Montpellier. Et c'est vrai que parfois, il y a des joueurs sur le terrain à Montpellier, tu te demandes, même s'ils ont le niveau du national. Néanmoins, quand collectivement, tu as envie de jouer ensemble, que les gestes sont réussis, que les mecs sont dans la volonté de jouer ensemble, bah, c'est quand même à souligner. Maintenant, c'est toujours la même histoire avec le PSG. Chaque année, je le sais, je l'anticipe à l'avance, ça va s'emballer dans tous les sens. Et sur l'expression collective, l'année dernière, même époque, je me souviens, fin août, moi-même, j'étais assez emballé. Je disais, j'aime bien le milieu de terrain, j'aime bien ce que cette équipe est en train de faire, j'aime bien le travail accompli, les joueurs commençaient à aller saluer le public, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. L'année dernière, jusqu'au 4 octobre, on avait exactement ce qu'on a vu ce soir. Ça jouait super bien, collectivement c'était huilé, ça courait dans tous les sens. 4 octobre, c'est une semaine avant, il y avait eu le 4-0 contre l'OM au Parc, magnifique match. Il y avait eu quelques jours plus tôt, le 2-0 contre Dortmund, excellent. Et le 4 octobre, c'est le match à Newcastle, le 4-1. Là, derrière, il y a eu quand même Milan au Parc 3-0, tout ça, mais derrière, ça a été un peu moins bien. Mais le début de saison l'année dernière, le match contre Lens où Asensio est brillant avant de se blesser, il y a beaucoup de matchs qui collectivement sont très aboutis. Ça concédait quand même beaucoup plus d'occasions. Ça concédait quand même beaucoup plus d'occasions et je trouvais que l'équipe elle était un peu moins rodée, même si tu as raison, hein, le match contre Lens avait été un très très beau match. Bah, c'est le premier match d'Mbappé après Toulouse où il rentre, il met cette très grosse frappe sur Brice Samba. Mais il y avait eu Asensio, tu te souviens de ce qu'on disait, parce que tout le monde avait envie que Asensio, on en disait en faux neuf, exactement comme ce soir, parce que ce soir moi je l'ai trouvé très bon Asensio. Oui.
Et donc, je ne veux surtout pas qu'on ne s'emballe pas. Après, tout, chacun fait comme il veut et tout. Mais l'année dernière, collectivement, on avait déjà tourné une page. Hein. Oui, c'était oui. Sur le début de saison, on s'était régalé aussi. Hein. Après, la réalité, c'est qu'on va vite expédier. C'était face à Montpellier. Ça reste qu'un match de Ligue 1. Bien évidemment que l'exigence, est, moi y compris, elle sera sur d'autres matchs bien plus importants. Mais on va faire le débrief du match de ce soir. Et ça fait quand même plaisir de voir ce type six de buts, prestations. C'est beaucoup quand même. Hein. Même contre Montpellier, 6 buts, c'est beaucoup. Oui, même. Voilà, mettre un set comme c'est ça, bien, ne surtout pas être, quand t'as des beaux gestes. Hein. Voilà, mettre un set, sur ce match-là, ne pas être en grand danger défensivement, voir que collectivement tout le monde se régale. C'est à toi, à moi. On est dans un football de copains, quoi. C'est un football généreux. On se fait plaisir. C'est... Non, mais plaisir, ouais, si on se fait plaisir, allez, tiens, j'ai marqué, toi t'as pas marqué. Je trouve que ça respecte beaucoup le jeu. Dembélé sur le but de Barcola notamment. Barcola qui a le bon état d'esprit. On en parlera après. Au milieu de terrain, ça combine très bien. Il y a un standard technique très intéressant aussi. Et puis, moi, je suis désolé, mais on voit quand même une patte, un travail d'un coach sur le terrain avec des vraies séquences de jeu. Comme l'année dernière, au début de la saison. Oui, enfin, oui, comme l'année dernière, mais on ne va pas revenir à chaque fois sur l'année dernière. On parle de cette année. Non, mais moi, ce qu'il y a, c'est qu'on sait, c'est toute l'année qu'il va falloir que cette expression collective soit à la hauteur. Après, on parle du match de ce soir. Moi, en tout cas, on avait déjà eu des équipes feignantes du Paris Saint-Germain à 2-0, à 3-0, arrêter de jouer. Même les entrants, je trouve que les entrants, un Lee Kang-in qui met son but, un Désiré Doué qui essaie. Tu sens qu'il y a vraiment un truc intéressant qui se passe, où on a envie de continuer à mettre ce cinquième, ce sixième but, même le septième jusqu'au bout. Donc ouais, c'est un match parfait de la part du Paris Saint-Germain, après à confirmer et à mettre en perspective par rapport à l'adversité. Bah, tu sais, la semaine prochaine, il y a le match à Lille, déjà être un match très important. De toute façon, c'est un contrôle continu. En tout cas, c'est très un contrôle intéressant, continu, ça mais bah, Lille, c'est un peu l'adversaire qu'on attend en ce début de saison. Le Havre, Montpellier, c'est très bien, mais c'est un autre championnat. Enfin, l'apéro, c'est les cacahuètes de l'apéro. T'as envie de passer à table après. Non, mais il y a battre Montpellier et il y a battre Montpellier comme ce soir quand même. Il y a un coefficient. T'es pas obligé de jouer aussi bien, même contre Montpellier. Et puis même t'as très bien joué. Physiquement, moi je m'étais posé la question sur la préparation un peu tardive, pas de match, le match la semaine dernière contre le Havre. Est-ce qu'ils vont être prêts, même les recrues, on en parlera tout à l'heure, Pacho, Joao Neves. Sincèrement, ce soir, physiquement, athlétiquement, techniquement, c'est une très grande prestation. Après, ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain, ça va être comme ça toutes les semaines. Mais moi, je ne veux pas bouder mon plaisir ce soir en tant qu'observateur. Et il y a Farid qui est avec nous, qui nous appelle au 32-16. Salut Farid, bienvenue dans l'after. Salut Thibaut, salut Daniel, salut Walid. J'étais en train d'écouter ce que disait un petit peu Walid, je te rejoins complètement, mais bon, on est obligé de faire une analyse sur les deux matchs. Et on verra les matchs d'après pour savoir ce que ça donne. Mais il est vrai que je te rejoins complètement. Comme Daniel le disait souvent, je suis désolé, on a un vrai coach. Bien sûr que t'as un vrai coach. Il nous propose quelque chose. Moi, je me suis régalé. J'ai aussi un autre point qui est important. Alors, on va dire, c'est que deux matchs, c'est l'attitude. L'attitude, tout le monde est au diapason. Il n'y a pas de bras levés. Je ne fais pas une allusion à Mbappé ou ce que tu veux. Mais je trouve que ça aussi, ça dénote bien quelque chose. Et tu vois que la communion, elle s'est faite très rapidement avec le public et tout le monde est emballé. Parce que quand tu regardes, tu prends, quand bien même tu fais Le Havre et tu fais Montpellier, tu mets 10 buts. Je ne sais pas si déjà, ne serait-ce les années précédentes, sur les deux premiers matchs, on avait déjà mis autant de buts. Maintenant, Non, tu fais 0-0 contre Lorient sur le premier match, sans Mbappé. Et tu fais un partout. Il y a deux ans, t'en mets 7. Tu fais un partout contre Toulouse sur le deuxième match avec la rentrée d'Mbappé et le pénalty concédé par Hakimi. C'est ça les deux premiers matchs. Si on fait une analyse sur ce qui s'est passé sur les dernières et années. Tu lances ta saison contre Lens derrière. Entre ce qui se passe l'année dernière, parce que bon, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas gagné la Coupe de France, le championnat, et puis essayer d'aller un peu plus loin en Champions League. Depuis qu'il arrive, je suis désolé, c'est bon, quoi. Moi, en tout cas, je fais partie. Je retrouve tout, j'aime bien. Bambi commence à devenir au-delà de Bambi. Donc, je fais référence un petit peu à ce qu'a pu dire Daniel, mais j'avais bien compris dans quel sens. J'avais bien compris dans quel sens où il disait Bambi, mais on a un coach, j'insiste encore, et l'année dernière, j'étais convaincu, et j'espère que ça va continuer, et puis je pense qu'on n'est même pas prêt encore, on n'est pas prêt. Ouais. Et puis tu sais, d'ailleurs, Farid... d'après à la fin du match, c'est que tu vois même que les remplaçants,
qui viennent sur la pelouse, ne serait-ce pour au niveau du public, et qui se, tu, ça fait pas la gueule, ça se barre pas au vestiaire. Bon, l'attitude, pour, on va dire, pourvu que ça dure. Quoi. C'est surtout ça, je voulais dire. Farid, tu parles de Bambi, de Barcola. C'est vrai que Walid, Daniel, ce soir, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve que Barcola, même par rapport à l'année dernière où il a fait des bons matchs, il y a eu beaucoup de bons matchs de Barcola. Là, ce soir, je trouve que cette saison, il a passé un step encore. Il donne le ton du match du PSG sur la première mi-temps. Le but qu'il met. T'as l'impression que c'est les autres qui sont des enfants. Le premier but qu'il met sur l'appel avec la passe de João Neves, le pointu derrière sur le deuxième but, c'est lui qui va impulser le pressing, qui va récupérer, qui la donne à João Neves dans le bon tempo. Ça a été un moteur. J'ai vu cet été, moi aussi, je me posais la question, est-ce qu'il peut devenir le réel leader? Moi, je l'ai toujours défendu, mais est-ce que ça peut devenir le réel leader du Paris Saint-Germain? Là, sur ce match-là, il l'a montré, après à voir sur la durée, mais ce soir, il fait un très très grand match, dans le leadership, dans l'état d'esprit, et dans la production, même techniquement, dans les choix, dans le côté décisif. Il est déjà à 3 buts en 2 matchs, voilà, c'est du très très grand Barcola. Il a progressé, Barcola, Daniel, enfin, c'est l'impression qu'on a sur ses buts de saison, non? Incontestablement, et son but, je le trouve assez intelligent sur le geste qu'il choisit de faire. Parce que si je trouve même que c'est un des signes de progression de faire ce geste-là, c'est-à-dire de ne pas s'embarrasser avec ce qui aurait été quelque chose de plus propre, une volonté d'enrouler, une volonté de mettre un plat du pied ou une volonté d'en faire un petit peu trop. Il était un chouï en retard, il a envoyé le pied de cette façon-là et je trouve que c'est très bien. Après, il trouve le geste efficace. Il trouve le geste efficace et c'est signe d'intelligence. Après, j'ai bien aimé, je ne sais pas où vous avez regardé le match, de toute façon il ne passait que chez le diffuseur là, et les nouveaux amis de Walid. Le consultant phare de la chaîne a dit quelque chose que j'ai bien aimé. Parce que forcément, ça va être encore pire cette année, mais c'est quelque chose qu'en France, de toute façon, on n'arrivera jamais à régler. Donc, continuons et allumons des mèches dans tous les sens. En tout cas, Patrick Vieira, qui, je pense, a fait 2-3 trucs dans sa carrière, a dit « Laissez-le grandir. Il doit encore confirmer beaucoup de choses. Je n'ai jamais rien dit d'autre. » Voilà, « Laissez-le grandir. » T'as jamais rien dit d'autre, Daniel, si, t'as déjà. T'as dit plus que ça. Pas autre chose Daniel. Que grandir. Non, mais réécris pas l'histoire, Daniel. Bon, oui, d'accord. Dire grandir, Walid. Enfin, laisse-le grandir, mais tu le voulais pas titulaire au PSG l'année dernière. Je le voulais pas. Voilà, tu le voulais pas cette au PSG année, l'année dernière. Pas l'année dernière. De décomposer la question, est-ce que Barcola peut jouer à gauche à la place d'Mbappé? Tu nous traitais tous les noms à ce moment-là. Je disais non. Bah oui, voilà. Je vais pas te dire le contraire. Tu disais pas non. Tu disais qu'on racontait n'importe quoi. Oui, c'est la vérité. Tu racontais n'importe quoi. Avec l'équipe de France, la même chose. Bah oui. Mais bien sûr. Dès qu'on émettait l'hypothèse que Barcola pouvait apporter dans une équipe, tu disais non, faut qu'il soit sur le banc. Bah alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller parler à ton consultant et tu vas lui dire ce que je viens de dire. Mais à chaque fois, j'en parle avec lui. Bah, je vais continuer à en parler. Patrick Vieira, Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que calmez-vous, laissez-le grandir. Et Patrick Vieira, il n'a jamais été aussi virulent que toi, tu l'avais été l'année dernière sans véritable raison. Mais je ne retire pas un mot de l'année dernière. D'accord. J'en retire pas un mot. Pour toi, un joueur ne progresse pas. Toi, Walid, tu dis jamais rien. Ah, toi, moi, tu ne fais que t'emballer. Toi, tu t'emballes. Moi, je dis jamais rien. Moi, j'aime prendre conscience de l'évolution et de ce qui se passe dans une équipe et dans un effectif. Tu peux dire qu'à l'époque, tu avais parlé avec beaucoup d'engouement, que tu t'étais enfermé dans ce débat. Pas de problème. Et donc, tu t'es enfermé dans ce combat-là. Et que le joueur a progressé. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais les gars, en fait, je crois que vous êtes d'accord. Non, il continue à dire. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Non, mais il est obligé de dire à chaque fois j'avais raison à l'époque. Oui, bien sûr. Tu as le droit à un moment donné de te dire finalement, ce mec-là, il me surprend sur le terrain. T'as le droit de dire ça. Mais attends, excuse-moi, pardon. T'es sérieux ou t'es pas sérieux? Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Non, je viens de dire Patrick Vieira, laissez-le grandir, et c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis la même chose. Donc en fait, Daniel, on n'a pas le droit de parler de Barcola. Barcola, en fait, on n'a rien, on n'a pas le droit de dire. Non. À chaque fois, on devra dire, on a le droit, on doit fermer s'enflammer. Je viens de te dire, il a fait un grand match. Je vais dire quoi de plus en fait? Tu veux que je dise quoi en fait? Mais je sais pas, quand on le dit et tu dis allez, continuez à vous enflammer, les gars, continuez, etc. Tu sais, t'as un petit ton là-dessus en disant non, mais les gars, continuez pas. Si vous voulez. Non. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je suis en train de te dire non. Bah, tu ressens mal. T'as bon, les gars. Le nez bouché, je sais pas moi. Non, mais surtout, je suis en train de te dire quelque chose que tu veux pas entendre. Vous dites tous les deux qu'il a progressé, qu'il est meilleur. Visiblement, tu veux pas l'entendre. Je te le redis. L'année dernière, je ne retire pas un mot. Mais pas un mot. Et d'ailleurs, la gestion de ton coach adoré que tu kiffes, finalement, s'il ne l'a pas mis titulaire à la place de Mbappé l'année dernière, va t'en prendre à lui, pas à moi.
Visiblement, c'est avec lui qu'il parle. Il faut que tu dises qu'il a fait de mauvais choix. Mbappé en neuf. Il l'a mis Mbappé en neuf. Pas quand sont arrivés les matchs importants, que je sache. Contre Dortmund, contre le Barça au retour. Contre le Barça au retour, c'est un match important ou pas, Daniel? Parce que Barcola, il est titulaire à gauche et Mbappé en neuf. Mais les matchs qu'on comptait à la fin, il s'est passé quoi après? Pourquoi à Dortmund, il n'a pas joué à gauche et Mbappé en neuf. Mais c'est pas une bonne idée. C'est pas les matchs importants. C'était pas une bonne idée. Ah d'accord. Ça n'est pas passé, que je sache. Alors, dans ces cas-là, c'est pas à moi. Luis Enrique, il a pas fait progresser Barcola l'année dernière. Mais il faut que tu le dises à Luis Enrique, pas à moi. C'est pas moi qui ai fait les choix. Non mais enfin, je parle avec Daniel Riolo. Il faut que j'aille parler avec Patrick Vieira. Il faut que j'aille parler à Luis Enrique. Tu me donnes la liste, hein, parce que si on peut pas parler avec toi là-dessus. Luis Enrique, ce que je vois, c'est qu'il a fait progresser le joueur, moi. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord ce soir. Moi aussi, c'est ce que je vois. Mais si t'as envie de monopoliser ça, monopolise-le. Mais toi, on est le 15 août, enfin on est le 23 août, et toi, le PSG a déjà gagné la Ligue des Champions. Bah, très bien pour toi, pas de problème. Ah, j'ai dit ça, moi. Bah, t'es déjà en train de tailler les veines sur Luis Enrique. Continue. Comme l'année dernière. En tout cas, si vous voulez reparler l'année dernière, je l'ai vu faire un très gros match ce soir et il est effectivement en progression. Et on continue le débat dans un instant. Avec et je redis ce qu'a dit Patrick Vieira, laisse le grandir. Et je remercie Farid d'avoir été là au 32-16. Merci clair, Farid. Je peux pas être plus clair. Bonne soirée. Il y a Hugo qui nous attend au 32-16. Vous continuez à nous appeler dans un instant. Hugo est là et vient débattre de la victoire du Paris Saint-Germain 6-0 contre Montpellier ce soir avec Walid, avec Daniel. On est en direct jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à minuit, l'After Foot. Thibaut Giangrande. Merci d'être là en ce vendredi soir, l'After en direct avec Walid Acharchour, avec Daniel Riolo, avec vous tous au 32-16, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup. La LFP à suivre, le feuilleton continue. Quel président, on en débat tout à l'heure avec. On reviendra sur l'interview de Laurent Nicolin. Aujourd'hui dans l'équipe, son club qui a donc pris 6-0 ce soir face au Paris Saint-Germain. On parlera de Montpellier également tout à l'heure, mais on continue sur le Paris Saint-Germain. On va avancer un peu les côtés Barcola avec Hugo qui nous appelle au 32-16, supporter parisien. Salut Hugo. Salut l'équipe, ça va? Bah, ça va et toi? Ça va, cool, hein, super heureux, belle soirée en perspective. Ouais. On s'est régalé, un Parc des Princes en feu, une équipe libérée du poids Mbappé malgré que j'adore les joueurs, un coach qui fait plaisir et qui est l'équipe que tout le monde attendait. Que demander de plus? Ah bon, c'est quoi l'équipe que tout le monde attendait? Bah, tu voulais mettre quoi de plus? C'est l'équipe de ce soir, là, avec donc devant Barcola, Asensio, Dembélé, et au milieu Vitinha, Neves, Zaïre Emery. La question se posera quand même de savoir. Après, je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'il y a des titulaires avec lui parce qu'il n'y en aura pas. Mais Fabien de Ruiz va revenir. Est-ce que Joao Neves, où on découvre, en tout cas au PSG, même si on savait que c'était un bon joueur, mais bon, ce soir, on a vu toutes ses qualités. Vitinha, ça fait deux joueurs. A priori, moi, dans n'importe quel gros match, j'ai envie de voir démarrer. Ça sera Zaïre Emery qui sautera dans ce milieu de terrain pour Fabian Ruiz, qui espérons sera au niveau de Coupe d'Europe. Qui espérons. Ouais, c'est ça. Et sinon, on a Warren qui fait le boulot. Donc, et je ne sais pas trop comment ça tourne avec Enrique. Tu as dit ce qu'on attendait, mais je ne sais pas tellement comment on va pouvoir l'attendre. En fait, cette équipe, on est encore en train de la découvrir. Est-ce qu'elle jouera tout le temps avec Asensio en faux neuf comme ce soir, avec Dembélé et Barcola d'un côté? Est-ce que ce sera les deux? Tant qu'on n'aura pas Gonzalo Ramos, ça sera Asensio au faux neuf, parce que même là, on voit la rentrée de Colomoini, c'est très compliqué. Avec un PSG qui roule sur le match, les contrôles, ça devient compliqué. C'est dur, hein, Colomoini. Après, pour la défense, pour la défense, effectivement, je ne vois pas tellement comment... A priori, ça pourrait être autrement au départ d'un, on va dire, gros match, parce que c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui doit ressembler à un 11 titulaire. Mais le milieu, je me pose encore des questions, parce que je me demandais pourquoi Fabien de Ruiz n'avait pas démarré. Bon, on peut imaginer qu'il a un retard de préparation. Après, il est rentré en fin de match. Avec l'euro qu'il a fait, est-ce qu'il ne postule pas immédiatement être titulaire, sachant qu'il y a une place pour Vitinha, Neves? Et puis au milieu, il y a tellement de mouvements. On ne sait pas trop qui est celui qui joue le plus devant la défense, qui est celui qui joue plus haut. C'est plus Vitinha, j'ai l'impression, sur les deux premiers matchs. Pour un match comme ça, tu as toujours le ballon où tu le récupères tellement vite que de toute façon, tu l'as tout le temps. La question ne se pose pas trop de savoir. Dans d'autres matchs, je me demande si une organisation un peu plus nette ne serait pas souhaitable. Mais moi, j'attendais beaucoup de Zaïre Emery, parce que la semaine dernière, au Havre, je l'avais trouvé vraiment, vraiment en dessous techniquement et il a répondu présent. Et je trouve qu'il apporte quand même une variété avec les deux profils, Vitinha
et Joao Neves. Donc je pense que dans la construction du milieu de terrain, ça peut être une réflexion de Luis Enrique, même si Fabián Ruiz, on sait qu'il l'aime beaucoup, qu'il l'aimait déjà avec, avant l'Euro, donc avec la dynamique de l'Euro. Mais bon, c'est bien d'avoir une concurrence. Et il y a aussi Désiré Doué qui peut jouer au milieu de terrain, qui part remplaçant. Donc il n'y a plus besoin de joueurs alors. Parce que comme tu avais pas mal pleuré sur le fait que tu n'étais pas content de l'effectif, là, c'est bon, moi, je suis toujours pas content de l'effectif. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un de devant. Par exemple, Asensio, c'est très très bien, on en parlera après, aujourd'hui. Dans la construction des occasions, des situations. Maintenant, quand le niveau va s'élever, moi je. Tu peux renforcer, mais d'abord, je ne vois pas réellement qui y a sur le marché qui va renforcer en neuf. Après, encore une fois, moi je ne parle, parle pas uniquement de ce mercato, mais des derniers mercatos du Paris Saint-Germain, où je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire et tu as mis beaucoup de sommes d'argent sur des joueurs qui ne donnent pas la pleine mesure de leur. Ouais, mais l'entraîneur est content de cet effectif. Enfin, l'entraîneur, il était, je ne suis pas sûr qu'il voulait Kolo Muani l'année dernière, je ne suis pas sûr qu'il voulait Ugarte. Donc c'est cet argent-là que tu as mis. Peut-être que soit tu peux pas le mettre, soit aujourd'hui il y a plus de joueurs sur le marché. Peut-être que ton marché fallait le faire un peu avant et anticiper le possible départ de Mbappé. Ce que je sais, c'est qu'il est assez content de l'effectif et que a priori ils vont la jouer comme ça. Et moi, je te l'avais dit pendant l'été, au final, est-ce que les gens supporters du PSG sont pas satisfaits et puis ils veulent voir leur équipe comme ça, collectivement, les mecs bien ensemble, un bon état d'esprit. Oui, bah c'est ce que nous dit Hugo ce soir. Après, moi, mon seul espoir, c'est Luis Enrique aime ce type d'effectif, aime les jeunes joueurs. Ah oui, il aime les faire. Voilà, il aime les faire progresser, même si je pense que Luis Enrique, si tu lui ramènes Nico Williams, Alvarez ou Guimarães, je pense qu'il les prend, ces joueurs-là. Mais il les aura pas. Comme tu as dit, moi je pense qu'avec le travail, la patte de Luis Enrique, c'est mon espoir pour voir une équipe progresser. Et justement, les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions, Inter et Dortmund, n'avaient pas d'énormes stars ou de joueurs. Doit être possible de monter une très belle équipe. Je pense qu'en quantité et en qualité, pour l'instant, il y a des manques dans cette équipe. Mais ce soir, ça ne s'est pas vu. De toute façon, à l'échelle de la Ligue 1, on sait que le Paris Saint-Germain est clairement au-dessus. Justement, offensivement, les gars, c'était un peu les questions qu'on se posait en avant-match. Quelle solution avec la blessure de Ramos? Vous pensez que là, ce qu'on a vu ce soir, donc Asensio en faux neuf, entouré de Barcola et Dembélé, c'est la meilleure formule pour le Paris Saint-Germain? Mais ça dépend contre qui. Moi, je n'ai jamais été vraiment fan de ça, mais là, dans un match comme ça qui est facile, Asensio, il se balade entre les lignes, il a le niveau technique pour faire à peu près ce qu'il veut. C'est très bien, mais en tout cas, ce n'est absolument pas la même chose, quoi qu'il en soit, de se dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de jouer avec un faux neuf ou de jouer avec Ramos s'il était là. De toute façon, dans ton approche du match, dans le positionnement des mecs, dans ce que tu veux produire, c'est pas la même chose. Donc tu ne peux pas dire qu'Asensio remplace Ramos. En aucun cas, l'un remplace l'autre, puisque c'est des profils qui sont complètement différents. Kolo Muani remplace Ramos. Ramos remplace Kolo Muani, mais pas Asensio. Donc l'idée que, j'en sais rien, il va jouer 4 mois avec un faux neuf, ça marche, et Ramos revient, et Ramos postule à être titulaire. Je sais pas. Après, je trouve que Ramos se rapproche beaucoup plus d'Asensio et de ce que peut faire Luis Enrique qu'un Kolo Muani dans la connexion avec les autres. Dans la connexion avec les autres. Il y a plus de finesse technique, voilà, je suis d'accord avec toi, largement. Donc moi, je pense que la transition, elle sera moins brutale. Mais toi, tu penses, Daniel, qu'ils feront rien jusqu'à la fin du mercato? Toi, tu penses que Lukaku qui arrive au Napoli, là, ça débloque pas Osimhen au PSG? C'est le seul petit espoir. On vous donnait les infos de Fabrice. Je te pose la question, Daniel. Depuis deux semaines, j'entends Lookman, j'ai très vite dit qu'il ne viendrait pas, il ne va pas venir. Osimhen, honnêtement, si Osimhen. Lukaku qui vient au Napoli, moi, ça m'interpelle quand même, parce que Conte, il le veut. Je sais. Si Osimhen vient d'ici le 31. Écoute, ça voudra dire, et je te le dirai à ce moment-là, ça voudra dire qu'il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions qui ne les prennent pas. Et ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. C'est-à-dire par rapport, en gros, ce qu'il veut expliquer, c'est que Luis Campos, ce ne serait pas le choix de Luis Campos. Quoi. Et pas celui de Luis Enrique non plus. D'accord. Donc moins celui de Luis Enrique. Ok. Toi, Hugo, tu voudrais d'Osimhen à Paris, là? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je veux des mecs qui ont envie de jouer pour nos couleurs, des mecs qui connaissent notre histoire. Qui dit qu'il n'a pas envie, qu'il ne connaît pas l'histoire? Il connaît des Jokocha, peut-être. Il lui a parlé.
Mais les gars, c'est les mecs, vous savez très bien qu'ils connaissent rien du Paris Saint-Germain. Mais pourquoi ? Non, moi je veux pas dire rien. Il y a beaucoup de mecs qui sont là, ils connaissent rien. Hein, oui, je vais te dire. Pacho, et Barcola, il disait que jamais il quitterait l'OL et qu'il viendrait pas au PSG. Il est venu et tout le monde se régale avec lui. Il est bizarre, ton mec. Nikanguin, il était devant PSG Lens avec Rai, Nikanguin. Je veux pas de mecs qui vont se penser au-dessus de l'institution, au-dessus du club. Tu veux des mecs qui arrivent. Mais Osimhen, c'est un mercenaire, les gars. C'est un super joueur. Ils le sont tous aujourd'hui, Hugo. En fait, c'est pas ça le bon raisonnement. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est. Moi, j'ai vu l'interview que Luis Enrique a donnée là, avant-hier et tout, qui était très intéressante d'ailleurs, à part qu'elle soit faite dans le cadre d'un média club et que donc ça empêche toute question un petit peu plus emmerdante. Mais il n'empêche que. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre. Et là où il a raison, et là où enfin au club on s'est dit des choses intéressantes, c'est on ne forcera pas un mec à venir. On ne va pas insister 1000 ans. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Cherki. Une mini volte-face, au-delà du fait que je sois très content qu'il ne vienne pas, parce que je ne pense pas qu'il ait le niveau. Mais toujours est-il que certains le voulaient. Il a juste tergiversé. Ça a suffi à dire c'est bon, tu ne viendras jamais. Voilà, j'aime bien. Et ça, quand Luis Enrique dit ça, ça me plaît. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime. Ouais. Parce que ça, on l'a trop rarement eu dans l'histoire récente du club. Donc mais ça, là, Hugo, je suis plutôt satisfait. C'est pas Osimhen qui tergiverse, là. C'est juste que Naples en demande très, très cher et que pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Il y a peu de gens qui le veulent. On verra bien ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai parlé en bien du Paris Saint-Germain ce soir. Mais l'histoire d'Asensio en faux numéro 9, en Ligue des Champions, quand tu vas peut-être avoir un peu plus d'espace, est-ce que ça fonctionne ? Ramos, j'ai l'impression que tu dois tirer un trait sur 2024 parce que c'est 3 mois, il va avoir deux journées de championnat. Novembre. Ouais, enfin, novembre, tu as deux journées de championnat en décembre. Oui, est-ce qu'ils vont prendre le risque de le précipiter ? Voilà, ça aussi c'est une grosse question. Et puis c'est bien de se dire que Ramos il va revenir en novembre, mais à quel moment il va revenir à son meilleur niveau, Ramos ? Moi, je te dis qu'il va même essayer Barcola en neuf. Tu sais, dans sa formation, il a souvent joué neuf, Barcola. Ouais, donc, il n'est pas exclu qu'il essaye. Après tout, attention, c'est pas un mécano, comme on dit là, quand un mec prend plein de pièces et il renverse tout. Et Luis Enrique, il adore ça. Il adore être avec des jeunes. Tiens, tu joues là. Il a polyvalence exagérée. Il kiffe ça. D'ailleurs, toi, t'aimes bien aussi. J'aime ce style d'entraîneur, Voilà. Et ben lui, il va mettre dans le shaker et très souvent, ça peut sortir comme ça. Un coup Vitinha, il jouera à 8, un coup il jouera à 6, un coup sera Neves qui jouera un peu plus haut. Ça va beaucoup, beaucoup varier et on verra ce que ça donne à partir du mois de mars, comme d'habitude. Bon, un mec qui prend quelque chose et qui retourne tout pour tout mettre par terre s'appelle un enfant. Tu cherchais pour ta compo, ta comparaison. Merci Hugo d'avoir été là. À bientôt. Bye bye, les gars, merci pour tout. Allez, ciao. Non, c'est le Mikado là où tu balances tous les trucs par terre et puis après tu les prends un sans toucher les autres. Il ne faut pas faire toucher les autres, effectivement. Il y a Harry, on va conclure sur le Paris Saint-Germain avec Harry qui nous appelle au 32-16. Salut Harry. Bonjour, messieurs, comment allez-vous ? On est en pleine forme, Harry. Très bien. Et toi, bienvenue dans l'After sur RMC. Bienvenue. Écoutez, j'aimerais revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain. Parce que j'en parlais cette semaine avec Elton Moukomo, parce que c'est un ami. Et donc, je lui ai fait part, du coup... T'as pas son nom de famille, alors, c'est ton ami. C'est un ami, mais je croyais que tu l'insultais. C'est pas Elton Moukomo, c'est Mokolo, donc il va falloir que t'apprennes quand même son nom de famille. Non, mais en fait, j'ai fait un petit lapsus, il saura pourquoi j'ai dit ça. Ah, d'accord, je sais que c'est Mokolo, je sais. Ok, c'est une ref. Ouais, et donc, du coup, je lui disais, en fait, qu'on n'a pas besoin de recruter un nouvel attaquant. J'ai expliqué pourquoi, parce que, déjà, premièrement... on voit bien que Luis Enrique est en train de créer un collectif, qu'il a commencé en fait sur cette idée depuis que Kylian Mbappé avait annoncé qu'il partait du Paris Saint-Germain. Donc il avait déjà commencé à construire en fait son équipe sans Kylian Mbappé. On l'a critiqué, voilà, on lui a dit par rapport à ses décisions que à chaque fois il change de tactique, à chaque fois il fait pas la même équipe. Mais là on voit très bien que il y a quelque chose qui est en train de naître. Et moi je pense qu'on n'a pas besoin de recruter un nouvel attaquant. Après, c'est mon avis.
Je pense que. Et quand tu entends les doutes sur la Ligue des Champions et les gros matchs, tu vois, j'entends en fait ce que tu dis, mais autant moi j'ai trouvé que le match du PSG était vraiment grandiose ce soir, autant je ne vais pas rentrer dans ce côté, oui, parce que ça a gagné 6-0 ce soir, devant à tout ce qu'il et faut. Et Harry, on continue dans un instant, mais écoutons Luis Enrique, sa première réaction en direct. De longues semaines sans compétition. Bueno, la vuelta al Parque de los Príncipes le con nuestra afición ha sido avec, les un partido muy, muy completo en ataque y en defensa. Tout à fait complet, tant en attaque qu'en défense. Bonsoir, Luis Enrique. On a même l'équipe des questions. Votre gauche. Vous avez parlé ces derniers temps d'une réponse collective au départ de certaines individualités. C'est de ça dont vous vouliez parler. C'est exactement ce que vous recherchiez. J'essaie de transmettre à tout le monde, non solo à tout le monde et à notre affición et pas seulement à nos supporters. Lo que yo siento como entrenador y lo que yo veo que et ce que je vois que tengo a la hora de poder sacarle provecho a una plantilla de altísimo nivel. Ce que je peux tirer d'un effectif de très haut niveau. Et à partir de là, hay que esperar a que llegue el final de temporada para ver lo que hace el equipo, para ver ce qu'a fait réellement l'équipe, comment elle a évolué. Estoy disfrutando cada entrenamiento de una plantilla muy completa, muy versátil que je vois y que tiene muchas ganas de hacer historia. Et avec une grande envie de marquer l'histoire. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Voilà pour Luis Enrique en direct sur RMC. Et encore une fois, hein, moi je vais le répéter ce soir, je le dis depuis pas mal de temps. Et l'année dernière, j'avais même dit au début de la saison que ce PSG en Ligue des Champions, je pensais qu'il pouvait avancer assez loin parce qu'il y avait cet état d'esprit qui a été créé assez vite. En plus par Luis Enrique, c'est vrai. Le football européen, honnêtement, aujourd'hui, vous regardez les équipes au niveau des individualités. Le niveau a pas mal baissé ces dernières années. Vous regardez les équipes, comment elles avancent. Et il suffit de prendre juste l'exemple du PSG contre Dortmund. Je suis convaincu que le PSG n'a pas forcément perdu contre une équipe supérieure, mais une équipe qui en a plus voulu, qui avait plus d'intensité, plus de fraîcheur physique sur les deux matchs. Après, il y a eu un soupçon de réussite peut-être, mais pas fondamentalement un effectif supérieur au Paris Saint-Germain. Je suis à peu près sûr que tout le monde pense la même chose de ça. Oui. Donc aujourd'hui, les effectifs avec des stars, avec où c'est très huilé, ce PSG va pratiquer un très bon football. Il peut jouer une équipe anglaise en Ligue des Champions qui va mettre une intensité dingue, ils vont se faire rentrer dans la gueule et ils ne pourront pas s'exprimer collectivement de cette façon, ou une autre équipe qui lui causera des problèmes parce que physiquement, le football, il est très comme ça aujourd'hui, phase de transition, intensité, donc on va se régaler avec le PSG parce que je pense que ça va bien jouer au foot, que collectivement ça va être très bien et qu'il va y avoir une réponse collective à ce que va demander Luis Enrique. Moi, pour ce qui est de l'avancée en Ligue des Champions, je suis très ouvert à ce que ça puisse surtout bien qu'en se passer. Il y a la nouvelle formule, donc on ne sait pas trop où on va avec cette nouvelle formule. En plus, exactement. Tu ne sais pas. Ça, tu ne sais pas, parce qu'en fait, tu n'es jamais hors du coup, même si jamais tu devais terminer 15e. Rien n'empêche après, dans un match aller-retour, fin février, début mars, de te retrouver dans le top 8 et après d'avancer. Donc, ça va tellement être ouvert. Je crois qu'il faut se rendre compte que le football est en train vraiment de prendre un virage au niveau de la gestion d'une saison dans son entier. Et d'ailleurs, sur le groupe, hein, il vient de le dire qu'il était très content de son effectif qu'il trouvait complet sur le mercato. Sur ça, il faut lui reconnaître quelque chose, c'est que sur la hiérarchie, il y a un respect de la hiérarchie depuis qu'il est arrivé, Luis Enrique. Ou, tu vois, quand tu vois Conte ce qu'il fait au Napoli, par exemple, ou tous les jours, ça, le mec, il compte les recrues, le mec, il invective ses dirigeants. Lui, Luis Enrique, depuis qu'il est arrivé, sur les recrues, les mercatos, il n'a jamais moufté. Jamais. C'est vrai. Et rappelez-vous, quand il est arrivé, on s'est tous dit ça va être le feu, il va mettre le feu et tout. Non, j'ai plus avec les journalistes, mais par contre, sur sa direction, je trouve qu'il y a un respect. Parfois même, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je me dis, mais attends, à un moment donné, mais dis que le milieu de terrain ou que l'attaque, tu as besoin de quelqu'un. Non, il est toujours très content. Toujours très content. Il est content. Harry, tu veux rajouter un dernier truc? Mais ça, si ça se passe mal cette année, on pourra aussi lui reprocher. Oui, Harry, vas-y. Je me souviens d'une émission avec l'After où j'étais à l'antenne fin mi-mai, je crois, quand Luis Enrique venait d'arriver. Et je parlais justement de ça. Au mois de mai, il n'était pas arrivé au mois de mai. Comment ? Tu as dit au mois de mai ? Non, au mois de mai de l'année dernière, quand Luis Enrique venait juste d'arriver. Ah, d'accord, ok.
Et donc, du coup, on parlait de ça, justement. Et puis, je me souviens, en plus, c'était toi, Daniel, qui était à l'antenne. Et tu me disais que tu n'étais pas sûr de ce que Luis Enrique, de ce qu'il pouvait produire au Paris Saint-Germain. Et je t'avais dit que si jamais les dirigeants ne se mettaient pas au diapason avec Luis Enrique, ils claquaient la porte tout simplement. Donc en fait, ils n'ont pas eu le choix. J'ai pas tout compris. Moi, j'ai pas totalement compris ce que tu as dit. En fait, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde par rapport à la politique sportive, on voit vraiment que c'est Luis Enrique qui a la main. C'est pas Nasser Al-Khelaifi ou bien Luis Campos. Après sur les transferts, quand on sait que c'est Nasser qui a fait Colomboigny l'année dernière, je suis plus de l'avis de Walid qui disait que de façon assez surprenante, justement, il s'était rangé, il ne discutait pas et que c'était même plutôt une bonne chose, ça évite des conflits. Il a peut-être compris que les sources de conflits venaient par exemple, il aurait pu péter les plombs quand Colomboigny arrive l'année dernière alors qu'il ne le voulait pas pour 90 millions d'euros. Il aurait pu dire oui. Il y a beaucoup de coachs qui auraient dit oui, comment on s'y mise dans le sportif, le président, etc. Il ne l'a jamais fait. Harry, merci d'avoir été là. Je redirai exactement dans ce début de saison ce que j'ai dit l'année dernière avec lui. Tu t'amuses, il y a un collectif. Il y a du travail, Daniel. Il y a du travail, il se passe plein de choses et tout. Le seul risque, la phrase, vous la retrouverez, je ne sais plus exactement comment j'avais dit, le seul risque toujours avec ces entraîneurs qui ont un boulard surdimensionné, c'est quand vont arriver les vrais matchs, les gros importants machins, il te sort toujours, il peut toujours te sortir. Ah ouais, la dinguerie. Croire plus important, la dinguerie qui va te planter. Et l'année dernière, elle était arrivée à Newcastle et à Dortmund. Sur ça, Daniel, il a raison. Malheureusement. Et le match aller au Parc contre Barcelone après, également. Il a raison. Après, ça arrive à beaucoup de coachs en Europe. Merci, je trouve que c'est malheureux parce qu'il y en a trop qui ont parfois la volonté de se démarquer et de se montrer. Et avec un soupçon d'humilité supplémentaire face à Ancelotti, je pense qu'il aurait moyen d'aller beaucoup plus haut. Tu as raison, Daniel, mais je trouve que ta première partie de phrase, parfois, tu l'oublies trop souvent. Je l'ai dit plein de fois. Qu'on s'amuse, qu'il y a du travail, que c'est un entraîneur compétent. Et reprends tout l'année dernière jusqu'à Newcastle. Reprends jusqu'au 4 octobre, tu verras. Je suis d'accord avec toi. Harry, merci. Il y a des évolutions dans une saison. Et passe le bonjour à Elton Moukoko, du coup. Mokolo. Salut Walid, à toi. Salut, bye bye. 23h23. Ciao Harry Potter. Ouvrons le dossier Montpellierin quand même, qui avait fait match nul la semaine dernière contre Nantes. Qu'est-ce que tu veux ouvrir ? Il y a Sidi qui nous appelle et lui veut l'ouvrir, supporter Montpellierin. Salut Sidi. Ah, d'accord. Il y a des choses à dire sur Montpellier ce soir ? Ouais, Sidi, je crois qu'il est au fond du trou. Et tu dois être fort, Sidi. Carrément au fond du trou. Qu'est-ce qui se passe ? Merci de me recevoir, merci de avec plaisir, Sidi. Les gars. Assis-toi. Ouais, non, mais je suis assis, je suis par terre, je suis allongé. Mais honnêtement, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps d'antenne. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est une équipe de crêpes Suzette. Pour singer un peu les paroles de Loulou Nicolin. Et j'espère honnêtement qu'on va faire comme Bordeaux et qu'on va finir en National 2. On va finir avec cette hégémonie et avec cette famille Nicolin. J'en peux plus. Bon, j'étais déjà intervenu à l'époque pour dire que j'en pouvais plus. Mais là, Laurent, le fiston, là, il n'est pas du tout... je veux dire, c'est le fils de Louis Nicolin. Écoute, pour moi, Sidi, sur le sujet, avec ce qui s'est passé, je vais être clair. Il se trouve que pour la revue, j'ai interviewé Laurent Nicolin, ça devait être début juillet, c'était avant les vacances. Je lui ai dit à ce moment-là, et vraiment sincèrement, malgré son soutien à la Brune, dans la conversation, avant de démarrer l'interview, je lui ai dit que j'avais un respect immense pour tout ce qu'avait fait la famille dans Montpellier, parce que ça n'est pas que le club de foot, c'est aussi beaucoup d'aide, beaucoup de gens aidés dans la ville. Bref, je lui ai dit à quel point je respectais son père et lui, le travail, la gestion de ce club de Montpellier. Il y a beaucoup de gens dans ce club que j'aime beaucoup. Depuis 24 heures, depuis cette interview, son insistance à défendre l'indéfendable, à envoyer les gens se faire foutre s'ils ne veulent pas regarder les matchs, ce respect est tombé. Je suis effaré par ce qui s'est passé, par ce qu'il a dit, par la façon dont il méprise le public qui veut regarder le foot, le public qui n'a pas les moyens de se payer l'abonnement, par le fait de dire, parce que je sais que c'est un gars loyal, c'est une qualité d'être loyal. Il est loyal envers son ami. Mais moi... Oui.
si mes amis font des, moi si mes amis font des conneries, si j'ai un pote qui fait, puisque Vincent Labrune est son ami, si un pote gère très très mal une entreprise ou quelque chose et que des vies en dépendent et qu'il a mis autant de gens dans la merde qu'il en a mis, bah moi si je suis vraiment son pote, je vais lui dire écoute mon vieux, maintenant faut se retirer, t'as vraiment mal travaillé. Et eux ce qu'ils font, c'est qu'ils s'accrochent. Qu'en plus, ils font tout pour noyauter, pour empêcher des gens de se présenter, pour empêcher des gens de contester. Et en plus, ils disent, si vous n'êtes pas content, on vous emmerde. Alors, moi, le respect, il est complètement tombé. On va revenir en détail sur tout ça dans un instant. Il va falloir qu'on fasse une pause. Sidi, je te laisse conclure. Et de toute façon, on va continuer le dossier Nicolin Ligue dans un instant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sidi ? Ouais, juste en fait qu'on est arrivé à Paris en victime expiatoire. Quoi. Quand j'entends le comte, le gardien dire « si Paris a envie, ça va être compliqué pour nous », enfin, attends, j'entends le déni, enfin, t'es professionnel, ou t'es quoi ? Tu viens à Paris, t'es pas un U15, je veux dire, tu viens, t'es professionnel, tu t'entraînes toute l'année, t'es là pour faire un résultat, t'es là pour jouer, t'es là pour gagner, t'es pas là pour dire « si Paris a envie, ça va être compliqué pour nous », mais c'est incroyable. De toute façon, je vous le dis, vous pouvez annoncer Montpellier en Ligue 2 l'année prochaine. Montpellier va commencer son vrai championnat finalement la semaine prochaine. Il y a Montpellier-Nantes, prochain match. Il y aura Auxerre courant septembre, Reims un peu après. À voir la fin du mercato aussi parce qu'ils vont devoir vendre. Bah pour l'instant, ils ont recruté zéro. Hein. Ouais, ils font partie de ces clubs. Ils n'ont pas de thunes. Donc le copain de Nicolin va essayer de débloquer une avance sur les droits télé pour un peu les tirer de la merde. Les clubs comme Montpellier, mais de toute façon, voilà. Il paraît qu'il n'a pas tout fait mal. Ben voilà. Il gère un club qui est à l'agonie, mais on n'a pas tout fait mal. Okay. Sidi, c'est qui les joueurs à récupérer là, fin de mercato ? J'aurais récupéré Andy Delors. Non, je te parle de qui ? Non. Si d'autres clubs seraient intéressés par des joueurs de Montpellier. Ah, les joueurs à récupérer, j'aurais Chotard. Khalil Fayad. Savanier, tu ne peux pas le sortir, Savanier ? Savanier, depuis longtemps, je veux le sortir. Moi. Non, Est-ce qu'un club de Ligue 1, pourquoi vous voulez le sortir, Savanier ? C'est le seul joueur de l'équipe. Parce qu'ils doivent vendre, mais je te dis, si je suis un autre club de Ligue 1, est-ce que je ne vais pas sortir Savanier, moi ? Tu vas le chercher, tu veux dire ? Oui, je vais le chercher. C'est-à-dire, je vais le chercher. J'avais pas compris. Évidemment, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Parce que s'ils sont à l'agonie, moi je suis un autre club, un peu plus haut en Ligue 1. S'il y a véritablement possibilité. Ouais, sauf qu'il y a de la thune nulle part, mon vieux. Quand je vois Rennes, il y a de la thune à Rennes, il y a de la thune. Après, pour TJ, on le remercie pour tout. Lyon, ils ne cherchent pas un milieu de terrain, Lyon ? Lyon, tu connais leur situation financière ?